Salut la gang, c'est Miguel, on est dimanche, une belle petite tempête de neige. Moi je m'en fous. Alors on est parti magasiner avec sa chum de fille. Moi je te l'ai fait mon épicerie, j'ai ouvert mon driveway, j'ai deux clients qui s'en viennent des véhicules avec le cash dans les poches. Après mon chum Pat, c'est qui me donne une bonne nouvelle aujourd'hui. Puis en plus, je viens de recevoir mon scénario, je peux pas vraiment... Regarde, je vais vous le montrer de même là. Mon scénario que j'ai reçu pour mon prochain tournage, je peux pas vous dire c'est quoi, mais j'ai tout ça à prendre. La 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 la, une page, deuxième page, et en tabarnak, troisième page, et quatrième page. C'est ça que je fais en ce beau dimanche. Avant de passer une soirée avec ma blonde, j'apprends mon scénario pour un tournage du 7 avril. Donc, trois épisodes, rôle principal dans ce petit court-métrage. Donc, je suis très content. Puis, ça tombe-tu bien? Ça fait une couple de semaines que j'ai le goût d'en péter un, asti. De façon imaginaire. Il est où mon cash? Il est où mon nasty de cash? Non, c'est le ton qu'il faut que j'aille pour mon scénario. Donc, je vais essayer de faire un petit passage, jamais ça. On arrête bon de consulter le maître. C'est pour une urgence. L'autre, il fait bla 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 bla. Si ça te dérange pas, on s'enfargera pas dans les détails. On va reprendre ça. Si ça te dérange pas, on s'en fargera pas dans les détails. Mais je vais vous donner la dernière, que j'aime beaucoup. Parce que j'ai pété un gars là-dedans. Là. J'ai tiré un gars, il a crissé une balle dans la tête. Et je me suis trompé de gars. Puis, c'est le fun, là. C'était un 2 pour 1. Donc, ça se passe une histoire avec un boxeur aussi là-dedans. Donc, c'est... Hey, champion! Il est où mon esti de cash? L'autre, il dit, étouffe-toi! La boule de Noël, il parle de moi. Tu as fucking tué le mauvais gars. Ça, c'est la réplique de mon autre champion. Lui qui m'engageait pour péter le gars. Puis moi, j'y réponds ça. Parce que je reprends de façon sarcastique un peu sa réplique qu'il m'a donnée. Il serait déjà fucking dead. Si tu m'avais donné la petite bonne adresse, moi, ma job est clean. Un suicide, puis pas d'enquête. Si tu veux que je la refasse, pas de problème. Mais ça va prendre du fucking cash, tabarnak. Bon, mais bon dimanche. Moi, je continue de me pratiquer, puis m'amuser. Ciao, les gars.